Vu donc que nous avons déjà configuré notre environnement de travail, vous avez vu, nous avons importé tous les classes M. Hein, on a supprimé la balise mapping, hein, l'attribut mapping. Hein, on a tout et tout. Et retenez que ceci, hein, ceci doit être identique à ça. Sinon, vous aurez des sérieux problèmes. Donc, si vous avez défini comme ceci, hein, raison pour laquelle je dis qu'on importe, hein, on y va juste supprimer ce que vous m'avez vu faire pour éviter des cas d'erreur. Oui. Donc, c'était juste une précision. Alors, de ce fait, mais qui a mis à 200? Voilà. De ce fait, donc, on va commencer par écrire notre première méthode. Notre première méthode qui est l'enregistrement. Donc, on va dire quoi? On va dire à jour inscription. Je l'ai dit, j'ai dit qu'on va travailler en global. Hein? Lui, il doit nous renvoyer une chaîne. Maintenant, ses paramètres sont les qui? Un callback qui est une procédure. Hein? Virgule. Une inscription. Une inscription qui est un mdiaspo inscription. C'est tout. Alors, bon, je devais le faire dans Helper pour ne plus à écrire ça. Donc, dans Helper, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je dis une requête est un REST requête. Vous voyez un peu. Vous pouvez déclarer ça dans chaque méthode, mais je préfère ici. Maintenant, une réponse. Une réponse est un reste réponse. Un contenu est un buffer. Maintenant, donc, on a déclaré nos trois trucs. Hein? Je peux même encore aller dire, je peux encore aller loin. Bon, c'est pas lui, je m'arrête là. On s'arrête là. Maintenant, on revient donc dans le modèle inscription. Dans le modèle inscription, je ne déclare plus rien. Puisque j'ai à déclarer tous ces trois variables-là. Alors, ici, je dis Ah, ok. Vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que au niveau de mon help, j'ai pas dit global. Donc, je vais couper là pour essayer de mettre d'abord global. Vous voyez un peu. Là, il va voir de l'autre côté. Donc, si maintenant je viens dire help.point. Voilà. Vous voyez, je vois déjà, non? Sinon, j'allais déclarer l'objet. Hein, créer l'objet et manipuler cet objet. Or, moi, je ne veux plus faire ça.
Je dis maintenant une requête, donc. Une requête, point, point. Automatiquement, il trouve une requête, point, point. On a quoi? On aura la méthode. Hein? On aura l'URL. Donc, méthode. Bon, j'ai dit d'abord méthode. C'est le HTTP POST. Je fais pareil ici. Point, une requête. Maintenant, la méthode, on a le type de données. Le type de données, c'est ça. Type MindJSON. Maintenant, point, une. Point, point, URL. Hein? Maintenant, l'URL. On va dire comme ça. On a dit mon URL. Voilà. Il me demande le paramètre, n'est-ce pas? Je viens donc au niveau de mon site. Je sais que j'ai commencé par quoi? Ajout inscription, nom donc inscrit. Je copie donc jusqu'ici. Je viens, je mets centre code, je colle. Vous voyez un peu. Maintenant, quand donc j'ai terminé tout en temps, supposant que je n'ai rien oublié, je sérialise. Quand je sérialise quoi? Ça, n'est-ce pas? Mon bouffe. Point contenu. Et il me prend quoi? Un JSON. Quand maintenant je sérialise, hein, je viens donc dire quoi? Que help. Une requête, n'est-ce pas? Point, point contenu. Égale égale à 100. Hein? Donc, j'ai sérialisé, n'est-ce pas? Je prends donc mon contenu que j'affecte dans le contenu de la requête. Et à ça maintenant, donc, j'ai créé une instruction help point une réponse égale reste en voie. Reste en voie qui? Reste en voie ce monsieur. Voilà. Vous voyez un peu. Quand donc maintenant je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Il faut que je teste les cas d'erreur. Oh, c'est une chaîne. C'est une chaîne que ça va me renvoyer, non? Je dis maintenant donc résultat est une chaîne. Que je dis quoi? Est une chaîne, je convertis donc mon contenu là. Donc, même tous nos erreurs sont dans un buffer. Comme ici, il est encore dans un buffer. Alors, je dis donc, je quitte de chaîne, non, de UTF-8. UTF-8 vers chaîne. Hein? Quelle est la chaîne à convertir? C'est help.com. Une réponse, point, point, contenu. Je ferme. Vous voyez un peu. Quand donc je l'ai fait, je dis si erreur détectée. Si il détecte l'erreur, hein, je dois quand même dire quelque chose. C'est ça, non? Je dis donc.
exécute traitement. Exécute trade. Excusez-moi. Exécute trade principal. Il me prend quoi? Mon callback, virgule. Hein? Il prend le booléen faux. Là, c'est toi qui mets dans l'ordre, hein? Le booléen faux. Après le booléen faux, tu mets ton erreur. Veuillez vérifier votre connexion Internet. Après, je mets donc mon résultat. Quand je l'ai fait, je fais un retour. Et j'ai oublié ceci. Il faut directement activer le trade. Vous voyez un peu. Voilà donc mon premier truc. Le deuxième, je dis si maintenant donc, hein, help, point, une réponse, point, point, code état. Parce que là maintenant, j'ai tout avec la réponse. Code état, hein, est différent de 200. Si c'est donc différent de 200, hein, il va donc me traiter tous les cas d'erreur là-bas. Ouais, un peu. Si c'est différent de 200, je peux dire peut-être bien vouloir ou bien échec de structure, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Peut-être demain, hein? On va détailler ces codes d'état-là. Hein? 400, 406, vous voyez un peu, 400 ceci. Enfin, maintenant, côté client, d'avoir donc des erreurs spécifiques. Vous avez vu, nous avons détaillé ça côté serveur, non? Maintenant, on doit détailler ça. Donc, si par exemple, on met là, différent de 200, n'est-ce pas? À l'intérieur, donc, vous allez encore faire un si. Hein? Parce que quand c'est différent de 200, on ne connaît pas où vient même concrètement l'erreur. Hein? Différent de 200, maintenant, vous allez dire à l'intérieur, par exemple, si c'est égal à 400, par exemple, voilà l'erreur. Hein? Retour. Si c'est égal à 500, voici l'erreur. Hein? Et je vous ai, et au sorti d'ici, je vais vous donner ces erreurs-là. Hein? C'est-à-dire, peut-être via le groupe, pour que tout le monde puisse copier et aller maintenant adapter. Hein? Et retenez que les erreurs 200, 400 sont les erreurs liées au client, dont les erreurs émanant du client. Les erreurs 500, donc 5XX, sont les erreurs liées au système. Donc, on peut enlever. Voilà. Maintenant, donc, alors, on a déjà traité ça. On a encore nos cas d'erreur. Je viens dans mon web service. Je regarde. J'étais dans inscription, non? Qu'est-ce que ça renvoie? Je vois là, erreur à jour, erreur doublon, no content. Erreur globale, exception et tout ce qui va avec. Je viens donc renseigner tout ça ici. Donc, je dis maintenant, si résultat maintenant, donc, le contenu, non? Si le contenu égale à, on commence par helper.nocontent. Hein? On a notre message d'erreur et on a un retour. On peut dire simplement pas de contenu. Hein? Hein? Là maintenant, on peut dire oui, pas de contenu. Hein? On revient encore. Là, je peux me permettre pour copier ça.
Maintenant, on a donc le no content. Après, on vient sur erreur doublon. On va donc spécifier notre erreur pour dire le nom, hein, le nom complet. Plus on connaît le nom complet de ce Camerounais, existe déjà. On revient toujours et on regarde nos valeurs envoyées. On voit qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi ça et ça. Nous, on traite les cas d'erreur. Voilà. Je viens donc ici. On a donc erreur à jour. Erreur à jour. Dans erreur à jour, on va dire erreur d'ajout. On va peut-être à la ligne si vous voulez. Et vous pouvez automatiser ces erreurs-ci. Par exemple, H erreur info. Non, non, non. On n'a pas besoin de l'écrire tout. H là, il n'y a pas l'affaire H. On va dire erreur, erreur, erreur liée à l'inscription, par exemple. Erreur liée à l'inscription. Ou bien une erreur est survenue lors de votre inscription, non? Maintenant, ici, erreur. Voilà, erreur liée à l'ajout. Non, mais le client ne va pas comprendre. Bon, dis-toi, tu vas comprendre. Mais ne pense pas que le client peut comprendre. Utilisateur final. Maintenant, ici, quand même, on peut se permettre de dire, par exemple, ici, on va juste mettre erreur. Deux points. Là, on peut donc mettre ça. Erreur info. Là, ici, il n'y a pas de problème. Si on va faire. Et en bas, on met erreur, n'est-ce pas? Deux points. On va à la ligne exception info. Voilà. Vous voyez donc, ici là, c'est erreur, erreur, exception. Vous voyez déjà, non? Quand donc, je sais que maintenant, tout est OK. Hein? Maintenant, je peux même encore mettre un autre. Non, non. Quand tout est OK, hein? Je viens donc mettre un vrai pour dire qu'il n'y a plus d'erreur. Hein? Et notre boîte d'erreur. Le gars qui nous fait les erreurs, on lui dit que tu nous renvoies le vide. C'est fini. Donc, si tout est OK, voici ce que le gars nous renvoie. Donc, à chaque fois, il met l'erreur ici. Il garde. Il met dans cette valeur-ci, il garde. Voilà, nous avons terminé. Alors, on vient donc dans notre IHM. On pouvait faire comme on a eu à faire l'encapsulation, c'est-à-dire j'encapsule toutes mes entités là. Donc, bon, on a supprimé, c'est pas grave. On peut revenir. On met par exemple une entité. Une entité, je dis. Une inscription est un. Voilà. Maintenant, un local est un. Voilà. Maintenant, un recensement
Ouais, un peu. Pareil avec les tableaux. Donc, les tableaux, je peux copier. Hein? Je vous montre les raccourcis afin que une question nous soit posée. Je dis un tableau. Quand je viens, vous allez voir, ça va être technique. Je colle. Je viens juste dire un tableau de. Il devait y avoir changé, bon, on va changer. Un tableau de. Un tableau de. Ouais, donc ici, je dois mettre. Attends, je mets d'abord CL. Tab. Okay, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Tab, n'est-ce pas? Ici, donc je mets juste. Ici, je mets tab. Vous avez vu, non? Ulysse. OK. Maintenant, non, non. On ne crée plus les métiers ici. Alors, je viens ici. Je fais mon database comme on le faisait. Je viens donc dans. Deux. Ça qui nous intéresse, on vient. On fait notre écran vers source, comme d'habitude. Écran. Oui. Écran vers source. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis modèle inscription point. À jour, il me prend quoi? Hein? Un callback que je vais appeler. Voilà. Maintenant, virgule, qu'est-ce qui me prend? Ah, je n'ai pas déclaré ici à l'initialisation, non? Donc, une. Je déclare tout le truc. Donc, je vais dire plutôt entité est un M. Entité. Voilà. Voilà. Je fais par exemple pareil. Tableau est un M. Voilà. Ok, oui, ça va. Tu as un mot-clé. Voilà. Alors, je viens donc dans mon IHM. Je viens donc appeler ça dans GCL. Entité. Deux points. Inscription. Je suppose que vous avez fait du database. Quand je le fais, maintenant ici, je vais mettre fin d'attente. Fin d'attente début. Comme on a eu à faire. Du genre en cours, par exemple, de validation ou bien veuillez patienter. On met point, point. Maintenant donc, ici, je crée une procédure interne. Donc, procédure interne. Je copie ça. Hein? Laquelle procédure va nous prendre quoi? Par exemple, succès. On a déjà eu un truc pareil, non? Oui. Succès est un booléen. Maintenant, on a géré l'erreur au milieu. C'est une chaîne. Après. On a notre fameux résultat qui est une chaîne. Alors, je dis, si pas B succès, si pas B succès
erreur, hein, en parenthèse, donc j'appelle donc l'erreur en paramètre, hein. C'est là où donc on peut lui dire de faire vibrer, donc on peut dire quoi? On peut dire si pas en mode aïe aïe. Si pas en mode simulateur. Hein? Je mets comme ça. Je lui dis, voilà, de lancer le vibreur. Donc, vibration. Ah, on a fait ça dans le helper. Ah, ok. Donc, helper. Oui, helper point. C'est quoi? Déclenche, ne pense pas. Attends un peu, je avoir non, on n'a pas fait. Mais vous pouvez venir mettre. Oui, voilà. Donc, je viens là, donc je dis donc alors, si pas en mode simulateur. Alors quoi? Pourquoi il souligne? Ah, il manque un fin. Ah oui, il y a le fin de ça. Voilà. C'est un mode simulateur. Vibration déclenche pendant une seconde. C'est tout. Alors, là, je fais une reprise saisie sur le nom. Nous sommes sur le nom. Et j'arrête l'instruction. Vous voyez un peu déjà. Vous voyez que la deuxième procédure, hein, va s'écrire ici. Et maintenant, donc, sinon, donc, après. Je dis donc que le résultat, si. Puis il y a un résultat là. Oui. Next 1. Puis il y a un next. Non, pour valider tout une fois. Maintenant, donc, on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Oui. Mais attends, nous sommes où là? Sommes au deuxième plan chaud. Enfin, troisième plan. Ça dépend, peut-être chez toi, c'est plan 2. Chez moi, c'est plan 3. Ouais, maintenant, j'affecte le résultat. Ouais, déjà, non. C'est pas bon. Voilà donc, en gros, quand donc je fais, j'ai oublié, puisque j'ai lancé la fenêtre, fais n'attendre, je lance la fenêtre, fais n'attendre, fin. Le sablier qui tourne au soir là, avec un petit message. Ah, tu n'étais pas là au dernier truc. Oh, c'est vrai. Donc, voilà donc la méthode post. Hein? Que nous allons continuer avec par la suite. Maintenant, vu que c'était la même chose, nous avons écrit hein, les méthodes. Et vous voyez, chaque fois, je commence, oui, pardon, tu dis, non, 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 on n'a plus besoin. Puisque j'ai déjà affecté. J'ai plus besoin de faire écran versus. Pourquoi? Parce que j'ai affecté directement. Est-ce que celui-ci vient de. Est-ce que cette valeur vient de l'écran? Voilà, c'est une variable. Oui. Donc, je n'ai plus besoin de faire écran versus source. Alors,
Maintenant, dans la suite, donc, nous allons écrire le code permettant d'afficher la liste des Camerounais recensés avec la méthode get. Ce matin, on a utilisé la méthode post. On va aussi utiliser la méthode get. Et on espère que ces deux méthodes-là vous seront d'abord utiles pour faire. Et après, demain, toujours dans la même tranche d'horaire, puisque M. Tchenchen nous a dit qu'il a un souci, on ne peut pas le pénaliser. Et ainsi que moi-même, on fera get. Dès qu'on fait get, tout en espérant que Yann va nous ouvrir le port 21, on déploie. Avant 12 heures, on a terminé. Chacun aura ça dans son téléphone. Il peut tester à tout temps, en temps réel, sans même avoir besoin d'allumer sa machine. Là, on aura pour une première fois un truc palpable. Vous voyez un peu. Donc, dans la suite, nous allons maintenant utiliser la méthode get pour afficher la liste. OK.